question politique toujours, en on dit le Congrès américain, tout au moins 7 membres influents du Congrès américain qui écrit en lettre tout l'ouvri pour demander au gouvernement fédéral américain pour suspendre et pour coller avec Ariel Henry, suspendre, soutenir Ariel Henry. Yo dit citoyen ça pas gain légitimité, li pas gain moyen, li pas gain force, li pas gain force politique, li pas gain ancrage pour entrer pays dans de nouvelles élections pour ta résoudre crise là. Parlementaire congressman ça dit c'est temps que gouvernement américain a perdu avec citoyen ça. 7 membres du Congrès américain selon l'agence Reuters yo dit profondément préoccupé par la crise en Haïti. Ils ont demandé à président Joe Biden de retirer son soutien au premier ministre de facto Ariel Henry et de permettre au peuple haïtien, via un consensus large, de créer une transition démocratique dirigée par la société civile. Et nous demandons humblement à votre administration. Merci et l'être là, Gaëtan, sous live là. Nous demandons humblement à votre administration de permettre au peuple haïtien de déterminer son propre destin politique et de retirer son soutien au gouvernement de facto, peut-on lire dans cette correspondance qui se fend d'une exhortation au président démocrate selon transcription. Journal Le Nouveliste, nous exhortons votre administration à permettre au peuple haïtien de déterminer son destin politique en soutenant le consensus entre les acteurs politiques, la société civile, les secteurs religieux et privés pour créer une transition démocratique dirigée par la société civile, en soutenant les signataires. Cependant, on fait remarquer ces parlementaires américains, toute mesure prise pour mener à une telle transition a des chances limitées de succès si les États-Unis continuent à soutenir le gouvernement de facto du docteur Ariel Henry. Les 7 parlementaires ont plus loin affirmé qu'Ariel Henry n'a aucun intérêt à négocier de bonne foi alors qu'il bénéficie du soutien inconditionnel des États-Unis. Les signataires de cette lettre ont mis en avant le besoin de rupture avec certains aspects de la politique américaine ayant eu des effets néfastes pour Haïti. Il ne fait aucun doute que certains aspects de la politique américaine à l'égard d'Haïti ont miné le développement, la paix et la sécurité du pays. Cependant, on soutenu ses élus. Nous avons la possibilité de réparer nos erreurs passées et de soutenir le peuple haïtien pour mettre son pays sur la voie d'une véritable démocratie. Le moment est venu, ont-ils estimé, soulignant au passage qu'il y a un nombre croissant d'acteurs de la société civile, du secteur privé et d'organisations politiques mobilisés pour offrir une voie plus représentative et qu'inclusive afin de conduire Haïti vers la direction d'une démocratie durable. Nous espérons que votre administration prendra des mesures significatives pour s'engager de manière substantielle avec ces groupes, peut-on lire dans cette lettre des congressmen affirmant que le soutien de l'administration au docteur Henry semble contradictoire avec l'objectif déclaré que les États-Unis ne feront pas pencher la balance de la politique haïtienne. Le PM Henry n'a pas de légitimité pour organiser les élections. Le docteur Henry n'a pas de légitimité pour organiser les élections et n'a pas le consensus nécessaire pour galvaniser le peuple haïtien à se rendre aux urnes. La légitimité de Dr. Henry vient de la communauté internationale, pas du peuple haïtien, ont soutenu ses élus américains. Les élections sont nécessaires, mais pas suffisantes pour apporter la stabilité dans le pays si les conditions optimales ne sont pas réunies et si le consensus entre les différents secteurs n'a pas été atteints, ont soutenu les signataires. En outre, nous sommes profondément préoccupés
par le fait que sous le gouvernement Henry, l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui a eu lieu en juillet dernier, n'a guère progressé et que les personnes qui enquêtent sur cette affaire en Haïti ont fait l'objet de menaces et d'intimidations. Il est crucial que les auteurs intellectuels et les personnes directement impliquées dans l'assassinat du président Moïse soient tenus pour responsables afin de faire la lumière et aider au mieux Haïti à résoudre sa crise politique, selon la lettre de ces parlementaires qui demandent instamment au président Joe Biden de prendre les mesures nécessaires pour tenir le Congrès informé de l'enquête, d'examiner et de divulguer de manière approfondie tout rôle que des citoyens ou des organisations américaines auraient pu jouer dans l'assassinat, y compris tout individu ayant déjà travaillé comme informateur pour les États-Unis. Les parlementaires Sheila Sherifus McCormick, Florida, member, Hakeem Jeffries, Val Demings, Florida toujours, Dwight Evans, Andy Levin, Michigan, Yvette Clark, New York, et Mondaire Jones, New York, et Ayanna Presley, et Massachusetts, sont les signataires de cette lettre dont copie conforme a été envoyée au secrétaire d'État Anthony Blinken. Dans un article du Miami Herald sur la loi de finances des États-Unis, que nous t'ai parlé de samedi, qui a consacré un chapitre à Haïti, le représentant du Michigan, Andy Levin, avait indiqué qu'il y a une impasse politique en Haïti. Nous savons que la situation politique en Haïti est dans l'impasse. Le dirigeant de facto Ariel Henry, refusant de coopérer avec le processus de transition démocratique mené par la société civile, avait déclaré le représentant Andy Levin, Michigan, en notant qu'il était heureux de voir la loi sur Haïti adoptée dans le cadre du paquet Omnibus en particulier, parce qu'elle établit une ligne de base selon laquelle la politique américaine encourage un dialogue politique large, inclusif et soutenu entre les différents acteurs en Haïti pour restaurer la légitimité et les institutions démocratiques en Haïti. Fervent partisan de l'accord de Montana, a écrit la journaliste Jacqueline Charles dans cet article, Andy Levin avait déclaré que pour remplir ce nouveau mandat de la politique américaine, les responsables de l'administration Biden devraient retirer leur soutien à Henry et commencer à soutenir un chemin vers la démocratie véritablement inclusif et dirigé par Haïti. Selon Sheila Sherifus McCormick, l'un des 7 signataires interrogés par l'agence Reuters, elle a indiqué que pour endiguer l'augmentation de la migration haïtienne vers les États-Unis, il faudra se pencher sur la situation politique du pays qui a été bouleversée par l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier. Si nous examinons les raisons derrière l'immigration, cela se résume vraisemblablement à l'instabilité politique qui augmente la criminalité en Haïti, a-t-elle déclaré lors d'une interview téléphonique à Reuters. Dans l'article du Miami Herald, Jacqueline Charles a indiqué que le département d'État, qui a eu plusieurs entretiens avec M. Henry et des dirigeants civiques au cours des dernières semaines, s'est défendu contre les critiques qu'il accuse de soutenir M. Henry plutôt que la société civile. Le dernier rendez-vous entre des représentants de l'accord de Montana peine avec le PM Ariel Henry et des signataires de l'accord du 11 septembre mi-février avait débouché sur un échec pour une question de ponctualité. Dans la presse, les deux camps se sont rejetés le blâme l'un sur l'autre. Donc, ouais, l'étau vraiment se resserre autour de Ariel Henry qui pas dans une bonne dynamique devant Congrès américain, tout au moins 7 congressmen sa yo qui écrit correspondance si là. Alors faut nous dire que c'est de temps en temps qu'il y a des critiques cap sorti en dans même quand Ariel Henry n'a parlé moun qui signait
qui signe accord Montana. Par exemple, petit message que Emmanuel Ménard, signataire de l'accord de Montana, de l'accord du 11 septembre, lui dit Premier ministre Ariel Henry a enfoncé PIA dans le chaos. C'est ça, Emmanuel Ménard écrit sur Facebook, le Premier ministre, sans aucun organe politique de consultation ni de contrôle, ne répond que de lui-même, signale Emmanuel Ménard, l'un des signataires de l'accord du 11 septembre. Aussi, comme signataire de l'accord du 11 septembre, Emmanuel Ménard dénonce le comportement incivique du Premier ministre, signataire lui-même en représentation du pouvoir exécutif. Le coordonnateur de force louverturienne réformiste appelle les collègues des partis politiques qui avaient de bonne foi accepté d'entreprendre une démarche patriotique pour épargner au pays une aventure politique de se désolidariser de cette coalition gouvernementale visiblement incapable de répondre aux désidérata de la population et de rechercher ensemble le compromis historique afin de délivrer le peuple qui vit sous la domination infernale d'un terrorisme inédit, écrit Emmanuel Ménard. En pile nan yo, nous t'ai annoncé yo que c'est comme ça, ça pral fini. Pas gen plein parce que Ariel Henry pas gen ken volonté pour le faire en un et ben ces journées jodi a yo commencé ouais ça gagné la Banque mondiale qui décidé allouer une enveloppe de 132 millions de dollars pour financer des projets dans des domaines d'infrastructure routière et de sécurité alimentaire en Haïti, rapporte le plus ancien quotidien du pays, le Nouvelliste, et l'institution en a fait l'annonce dans un communiqué publié le 17 mars. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un don de 102 millions de dollars pour le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Le conseil a également approuvé un financement additionnel de 30 millions pour le projet d'accessibilité et de résilience rurale en Haïti. Le premier projet soutiendra encore environ 75 000 ménages dans le secteur agricole, environ 375 000 bénéficiaires en vue d'améliorer l'accès à la sécurité alimentaire, de garantir les moyens de subsistance en milieu rural et de renforcer la résilience aux aléas climatiques. Le projet de transport renforcera l'accessibilité par la route en tout temps dans les zones touchées par le tremblement de terre et améliorera la résilience du réseau routier, peut-on lire dans le communiqué de la Banque mondiale. Le chef des opérations de la Banque mondiale en Haïti, Laurent Mselati, s'est réjoui de cette annonce qui survient dans la foulée du séisme du 14 août 2021. Le puissant séisme de 2021 a causé d'importants dégâts dans la péninsule sud. Il a aggravé l'insécurité alimentaire déjà préoccupante dans des départements alors que des milliers d'agriculteurs ont perdu leurs moyens de subsistance ainsi que leur accès au marché. Le projet appuiera notamment des pratiques d'agriculture durable et de gestion des terroirs, ainsi que la réhabilitation des infrastructures routières afin de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire plus résilients et d'assurer une croissance économique inclusive. La Banque mondiale œuvre à améliorer la sécurité alimentaire et à poursuivre les efforts de réduction de la pauvreté en Haïti, en particulier dans les zones rurales les plus reculées du pays, a déclaré Laurent Mselati.
La Banque mondiale, dans son communiqué, a fait remarquer que la population d'Haïti souffre de niveaux très élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Selon les estimations les plus récentes de la classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire, en décembre 2021, attendez, oui, 4,4 millions de personnes étaient en situation de crise. Ce nombre devrait passer à 4,6 millions d'ici juin 2022 en raison d'un accès réduit aux denrées alimentaires de base alors que les revenus restent faibles et que les prix sont en hausse. En outre, la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes ont un effet néfaste sur les cultures, les infrastructures et les actifs agricoles, affectant les moyens de subsistance en milieu rural, fait remarquer le communiqué. Le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, poursuit la Banque mondiale, stimulera le secteur agricole par la réhabilitation des infrastructures productrices et la création d'opportunités d'emploi temporaires, des subventions en nature et un soutien technique pour promouvoir un accès et une disponibilité accrue d'aliments nutritifs. Le projet ciblera fortement les femmes en tant que bénéficiaires, car elles jouent un rôle de premier plan dans la production et les ventes agricoles. Le projet sera mis en œuvre à la fois dans les régions confrontées à de graves problèmes de sécurité alimentaire et dans les zones touchées par le séisme, a fait savoir les départements du sud de la, à savoir les départements du sud de la Grandence, des NIP et du centre. Et peut-on lire dans ce communiqué de la Banque mondiale, en ce qui concerne le financement additionnel pour le projet d'accessibilité et de résilience rurale en Haïti, le communiqué indique qu'il se concentrera sur les segments de route les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, notamment les inondations et les